Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire en cursif. Si tu écris de la main droite, incline ta page vers la gauche. Si tu écris de la main gauche, incline ta page vers la droite. J'ai identifié les trottoirs, donc les deux lignes noires qui sont en vert. Puis ensuite, on remarque qu'en haut, il y a une ligne pointillée et en bas aussi, il y a une ligne pointillée. Donc, le trottoir en vert est également identifié par un arbre pour t'aider à te rappeler où vont les lettres. Puis, il y a un soleil également parce que certaines lettres vont se rendre au soleil. Puis, d'autres lettres vont descendre jusque dans les racines de l'arbre. Les premières lettres que je vais te présenter vont ressembler à des vagues. Donc, regarde bien. Donc, la première lettre, c'est la lettre I. Donc, tu vas placer ton crayon où tu vois le point présentement. Puis, tu vas monter jusqu'en haut du trottoir vert. Donc là, je redescends sur le même espace que j'ai passé. Et je vais aller mettre mon point en haut du I qui se trouve dans l'espace du soleil. Si je fais un autre I, donc je monte, je redescends sur la même ligne, puis je vais faire mon point. Donc, les lettres commencent toujours sur la ligne du bas du trottoir. Donc, je monte, je redescends. Puis, je vais aller faire mon point. La prochaine lettre, c'est une autre voyelle, c'est le U. Donc, tu vas voir, ça ressemble vraiment à une vague. Donc, je monte, je redescends sur le même espace, puis je remonte encore, puis je lui fais comme un petit crochet. Donc, je monte, je redescends sur la même ligne. Je remonte encore, puis je redescends sur la même ligne, puis je fais un petit crochet. Tu vas voir que les petits crochets, plus tard, ça va nous aider à accrocher nos lettres ensemble pour former des mots. Donc, une dernière fois, un U. Je monte, je redescends sur la même ligne, je monte encore, puis je fais un petit crochet. Puis, maintenant, je vais faire la lettre T. Elle ressemble beaucoup au I, mais tu vas voir qu'elle va monter jusqu'au soleil. Donc, je monte jusqu'au soleil. Je descends sur la même ligne. Puis, là maintenant, je vais aller faire ma barre sur le T qui est dans l'espace du soleil. Donc, je monte. Je redescends sur la même ligne. Puis, je fais un petit crochet. Puis ma barre sur le T. Donc, mon crayon reste toujours sur ma page. Je monte, je redescends, mon petit crochet, barre sur le T à la fin. Donc le S, celui-là, il va se fermer. Donc je monte, moi je vais descendre, mais pas sur le même espace. Je vais aller faire comme un petit arc. Puis, je vais revenir faire un crochet. Donc, je monte, je redescends, puis je fais un crochet. Donc, je monte, je fais comme un petit arc, puis un crochet. Pour devenir un champignon, tu devras pratiquer. À bientôt!